Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, nous sommes encore de retour dans votre émission. On est là et nous sommes pour vous servir avec les artistes qu'on a concoctés pour vous. Chers frères et sœurs, on est là, commence ainsi et permettez que je dise déjà bonsoir à ce plateau avec ces charmantes demoiselles qui sont à mes côtés. Et je vais demander aussi à Blanche, voilà, de décaler un peu. Je préfère que tu sois sur l'autre plateau, voilà. Bonsoir, comment tu vas Blanche? Bonsoir, oui. Bonsoir, je vais bien, j'espère que toi aussi ça va. Voilà, et les activités? Ça va. Ça marche, non? Ouais. Voilà, on voit notre invité qui passe de l'aide, il n'y a pas de souci, c'est un live, c'est une émission aussi de divertissement. Lui s'appelle Armatan TH, anciennement Armatan Didier. Mais à côté de toi, on va l'installer dans quelques instants. Mais permettez que je dise également bonsoir à celle qui se nomme Muriel, comment tu vas? Je vais bien, je vais bien. Ah, ça va, les activités? Ça avance. Un confrère disait que j'ai de très belles. Non, je préfère me taire. Après, à la fin de l'émission, on va gérer ça. À côté de vous, Blanche, nous avons le plus chuchoté des nanas. Anciennement, Armatan Didier, voici Armatan TH. Comment tu vas? Tout ceci à découvrir pourquoi TH, à connaître dans quelques instants, n'est-ce pas? Il n'y a pas de souci. Voilà. Et plateau off, ils sont là également. Et notre frère qui nous vient de ce côté directement, il s'appelle tout simplement Ramzino. Ramzino, comment tu vas? Ça va très bien. Et les gens de ce côté? Bien. Ils se portent bien. Et mais Ahmed, je ne comprends pas pourquoi vous êtes collés. Il y a de l'espace. Prends de l'espace de l'autre côté. Voilà. Ok, tu passes le micro à ton second. Lui, c'est nomme Ahmed Kass. Comment tu vas? Il s'appelle Ahmed Kass. Voilà. Rapproche bien ton micro. Oui, je vais bien. Bonsoir tout le monde. Et l'activité. Ça va bien. Ouais, je peux t'aider avec ta clé, hein, y a pas de souci. Ok, d'accord. Et les gens d'Atakami? Ah, ils vont très bien. Ils vont bien. Bon, je suis toujours basé à l'OVC. Mais de temps à autre, on te retrouve à Atakami pour des activités, pour des business. C'est ça. Ça va, non? Oui, ça va. Et derrière, nous avons un frère, il n'est pas artiste, mais qui est dans le domaine aussi artistique, bien dans le domaine culturel, un manager d'artistes qui est accompagné ce soir, Ramzino. Comment tu vas, mon frère? Bien. Les activités. Le look, ça me plaît là. Merci beaucoup. Si j'avais encore de chevelure, j'allais essayer de penser à ça. Mais comme ce n'est pas le cas, je me plains pas. Mais je préfère t'encourager à ça. Comment t'appelles-tu déjà? Bon. Le nom même c'est Mohamed, mais bon, le pseudo c'est Attaqué Tombé. Attaqué Tombé. Manager. Béni. Que je salue par ça, Béni, Ange Benito qui est en studio avec nous. Il a accompagné son artiste ce soir, aîné, confrère. Merci pour la confiance, merci aussi pour l'accompagnement. Et tout à l'heure, on va commencer cette émission avec la toute première rubrique, avec la complicité de la réalisation, qu'on salue au passage le chef Lagou qui nous balance le jingle de Blanche à la loupe et on se retrouve en plateau. Blanche à la loupe, elle nous envoie dans le monde des vacances. Comment est-ce qu'il faut gérer les enfants en période ou pendant les vacances? C'est à comprendre et à découvrir tout à l'heure. Blanche, vous avez la parole. Ok, merci Julie. Nous savons tous que nous sommes en période de vacances. Et aujourd'hui, on a appelé le bac. Et j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi à leur bac. Félicitations à tous. Et ceux qui n'ont pas eu leur bac, c'est pas grave. L'année prochaine, vous sortirez avec les mentions. Avec mention. Voilà. Mais bon, je suis passée par là, j'ai besoin de bac. Alors aujourd'hui, je vais parler des activités à faire avec les enfants en période de vacances. Comme c'est les vacances, il ne faut pas laisser les enfants faire de n'importe quoi et se laisser divertir par tout et n'importe quoi. Donc, il faut canaliser un peu les enfants pour qu'à la rentrée, ils ressortent de ces vacances avec beaucoup de choses. Je vais donner une liste, hein, mais la seule liste n'est pas non exhaustive. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez rajouter selon votre inspiration, selon votre contexte de vie, vous pouvez rajouter des choses. Donc, moi, je parlerai en première position de voyage. C'est vrai qu'à l'école, on nous parle des villes, des pays que nous ne connaissons pas vraiment. Donc, pendant cette période de vacances, vous pouvez organiser des voyages pour vos enfants, pour découvrir les villes du Togo. Et à la rentrée, lorsque on demandera est-ce que tu connais telle ville, au moins ils auront l'expérience de cette ville-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme moi, ici. Je ne connais pas vraiment des endroits alors qu'on entend parler de ces endroits. Donc,
c'est bien de faire découvrir les villes aux enfants. Et pourquoi, si vous avez, les moyens de faire partir ces enfants à l'étranger pour découvrir d'autres pays. Justement. Programmons aussi de nouvelles activités pour que les enfants puissent apprendre de nouvelles choses, des choses qui ne sont pas faites forcément à l'école. Par exemple, les inscrits à un sport, à la nage peut-être, au taekwondo, des choses qui vont les forger, des choses qui vont faire qu'au sortir de ces vacances-là, ils auront de la culture générale, ils apprendront beaucoup de choses. Oui, un instant, dans le dossier avec la complicité de Quentin, le chef même prend le devant des choses. Quentin, il y a la couverture de tout ce qu'elle dit en image, vous pouvez couvrir sur l'exposé, s'il vous plaît. Donc, je disais donc, vous pouvez inscrire les enfants dans des centres de sport pour leur apprendre à faire différents sports et aussi apprendre de nouvelles langues, c'est aussi important. Nous sommes dans un monde qui va maintenant à 100 à l'heure et ce n'est pas forcément, ce n'est même plus seulement l'anglais. Il y a plusieurs langues aussi. Donc, si vous avez, il y a des centres qui sont spécialisés en allemand, en chinois, en espagnol, puis inscrire vos enfants dans ces centres-là pour apprendre de nouvelles langues, ça pourra les aider dans le futur. Justement. Les enfants aussi, ceux qui sont plus grands, peuvent aussi aller s'inscrire pour faire des stages dans des domaines qui les passionnent. Par exemple, moi j'ai une amie qui a commencé depuis la classe de 4e, chaque vacances, elle allait aider sa maman au niveau de la coiffure. Donc maintenant, elle a eu son bac, elle n'a pas voulu continuer. Donc maintenant, elle a fait son salon de coiffure et elle presse proprement. Donc, si votre enfant est passionné par un domaine d'activité, vous pouvez inscrire ces enfants-là. L'enfant, dans cette période de vacances-là, à ce domaine-là précisément, pour qu'il apprenne. Et au fur et à mesure, lorsqu'il grandira, il trouvera facilement sa voie et il acquérera des connaissances. Donc, pour finir, surtout ne pas laisser les enfants seuls à la maison. Je vois. Nous savons que c'est vrai que les parents n'ont pas vraiment le temps, mais ces vacances-là, profiter pour rester avec les enfants. Parce que quand ils sont à l'école, vous êtes au boulot, même les soirs, vous revenez tard à la maison, il n'y a pas vraiment de temps pour discuter avec eux. Pendant les vacances, à trouver du temps pour être avec eux. Surtout pas les laisser seuls à la maison, parce que la télé, le portable avec eux, ils peuvent voir tout et n'importe quoi. Donc, vous pouvez programmer des activités à faire ensemble et passer le maximum de temps avec vos enfants. Voilà. Donc, c'est ce que j'arrivais à dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, au niveau du travail, si le boulot le permet, les enfants peuvent parfois suivre leurs parents pour aller voir à peu près ce que fait papa ou maman dans la journée. Donc, voilà. Voilà. Et je sais bien qu'à Matron, s'il y a un enfant, et dis-nous comment tu prends soin de mon bébé voilà, à chaque vacances. Est-ce qu'il te donne cette certitude? Ouais, je sais bien, je connais l'homme. À Matron? Non, pas une vie privée forcément, parce que c'est quand dans le ventre de la dame, de la maman, que c'est pour toi. Une fois que ça sort, ça devient pour la nation. Je suis sûr, n'est-ce pas? Donc nous avons le droit d'un œil là-dessus, pour une bonne éducation. Mais dis-moi, ces vacances, qu'est-ce que tu as déjà fait pour tes enfants? Bon, je n'ai pas encore fait grand-chose, mais je programme tant de choses que je ne peux pas dire tout de suite ici. Voilà, dans cette liste, il y a beaucoup de choses que notre soeur Blanche a essayé aussi d'étaler. Et il faut essayer de faire un choix parmi tant d'autres pour essayer de plaire aussi à l'enfant, n'est-ce pas? Et ce côté, je ne sais pas si Ramzi Noir a déjà un enfant, non, c'est un petit frère qui n'a pas encore d'enfant. Et je sais bien si Ahmed doit en avoir déjà. Tu as un enfant, je pense. Moi, j'ai dit non pour le moment. Ok, mais il y a des bébés. Toi aussi. Ok, ça s'explique. Merci beaucoup, Blanche, pour les recherches. Est-ce qu'il y a quelque chose? Tu as une petite fille, n'est-ce pas? J'ai des enfants. De combien déjà? 5. Ne me trompe pas, sauf que on est sur lui ici. Sinon, j'allais dire autre chose. Merci beaucoup, Blanche, pour le service. C'est bon, c'est bon. Quelque chose à ajouter? Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, n'est-ce pas? Prenez soin juste de vos enfants. Voilà. D'une rubrique à une autre, mesdames et messieurs, sans transition, nous allons continuer avec le jungle qui annonce la BioPro. Nous sommes devenus des stratèges cette fois-ci. On va changer de manteau pour essayer de décrypter les images qui vont arriver. Mais tout d'abord, le jungle, on se retrouve.
Voilà, la Biopro, c'est l'apanage de cette charmante demoiselle qui est à côté de moi. Elle s'appelle simplement Muriel. Muriel, vous avez la parole. Alors, bonsoir Julie. Bonsoir à toi. Je tiens aussi à féliciter les nouveaux bacheliers. Félicitations. C'est pas facile. Mais... Et heureusement qu'ils vont pas aller dans les herbes. Ouais, heureusement pour eux. Voilà. Justement. Il y a le système d'éducateur. Et tu nous proposes quoi ce soir? Aujourd'hui, j'ai deux petites images ou deux grandes images, je peux dire. Parce que ce sont des images qui expriment beaucoup de choses. Oui. On y va avec la première. Le premier billet, quand est-ce que vous permettez le premier billet, voilà. Donc, c'est ce billet, c'est mentionné quelque chose là-dessus. Oui. On a écrit quoi déjà? La patience n'est pas toujours l'ultime solution. Parfois, excusez-moi, parfois, il faut changer de direction. Voilà. Ça vous dit quoi? Blanche? Une fois, je me rappelle, on avait déjà parlé de la patience et on disait que la patience était jolie. Là, parce que c'était Jelly. Qui disait ça? Vous tous, vous étiez d'accord. Ouais. Alors, nous, tous, on était là aussi. Ouais. Aujourd'hui, j'espère que vous n'allez pas me dire le contraire. Sauf que nous aurons à dire, et pas forcément le contraire, mais seulement quand tu parles que quand tu nous parles de la patience, il va falloir qu'on décrypte tout d'abord l'image. Quand est-ce que vous permettez, on revient sur l'image et on voit notre bonhomme qui est en train de pêcher, bonhomme, le côté en face où il a lancé, disons, son hameçon, il n'y a pas de poissons à capturer. Au même moment, voilà, au même moment derrière, il y a les poissons qui nagent, qui font ce qu'ils font tout. D'où on nous demande aussi de ne pas toujours être patient, parce que la patience, ça tue souvent. Ouais, parce que tu, peut-être que tu es patient, mais au mauvais endroit. Voilà. Justement. Donc il faut savoir changer les choses. On dit que ce n'est pas toujours l'ultime solution. On peut prendre une décision, mais du moment où ça ne va pas, il faut changer. Essayer quelque chose d'autre. Voilà. Ok, dans le cas de notre pêcheur, par exemple, il est d'un côté où il n'y a rien du tout. Il aurait pu penser à aller de l'autre côté pour voir si ça pourrait aller là-bas. Ok. Ah, maintenant, vous avez un mot par rapport à cette image? Il faut bien l'observer. On peut revenir, Quentin, sur l'image? Ok. Voilà. Vous voyez ça bien? Ouais, je vois. On voit notre mouton à Balo qui est en train de pêcher. Qui a pris plus de 2 heures du temps sans capturer un seul. Oui, je sais bien que c'était le cas. Sans capturer un seul poisson. Au moins, derrière lui, il avait la possibilité aussi de changer la maison dans le sens inverse pour capturer peut-être plus d'un. D'autant plus qu'il est seul là-bas. Il est seul là-bas. Voilà. Ouais. Il pouvait changer plusieurs fois le plan. Mais pas l'objectif. Ouais. Parce que l'objectif, c'est de pêcher. C'est de pêcher. Oui, votre mot par rapport à ça? Non, peut-être il n'a pas su que juste à côté qui peut pêcher tant de poissons. Ouais. Parce que là où il est en train de pêcher, il n'y a pas de poissons. Ouais. Peut-être il ne s'est pas rendu compte tout de suite quoi. Ouais. Soit d'habitude il pêche de ce côté, c'est rentable. Oui. Voilà. Aujourd'hui, ou enfin. Les poissons compliquent, il y a quelqu'un qui nous dit dans tout le temps, donc ils ont changé de plan. Voilà. Le plateau, quelqu'un veut se prononcer, Ramzino, par rapport à l'image, rapidement. Ok, sinon moi si je vois que d'habitude c'est là-bas il pêche, mais bon, aujourd'hui il a changé de lieu. Les poissons aussi ont changé. On changé de lieu. Donc maintenant c'est les poissons qui ont été plus malins. Ok, ça s'explique. Ahmed, vous voulez vous prononcer? Oui, de mon côté je dirais que la patience elle est bonne, mais une fois que c'est, ça prend trop du temps, il faut passer par un plan B. Ça devient de patience. Ok. Et Mohamed, Maraja. Oui. Moi, je vois que dans la vie, bon, il faut avoir toujours le plan B. Si le plan A ne marche pas, il faut avoir le plan B. Moi, je vais concéder et augmenter le plan C. Allez, je suis à la zèle. Pourquoi pas, voilà. Les plans n'ont pas de limite. Ok, merci beaucoup. Muriel, c'est fini? Oui, c'est ça. Oui, il y a une autre image? Oui, nous avons une autre. Donc, la seconde, chef Quentin. La seconde image, le second billet. Ça, de choses, voilà, tu vois quoi, Edine, explique-nous, décryptage. D'abord, on voit un tonton en train de nourrir son lionceau. Et puis, voilà le lion qui a grandi maintenant. Et enfin, le lionceau qui est devenu le lion. Oui. Et il est en train de dévorer le son tonton bonhomme. C'est vrai, on sait que les animaux, ils n'ont pas d'intelligence. Mais, Michel, lion, pourquoi tu fais ça? Oui. Revenons peut-être dans la vie courante. Voilà, merci. C'est une gratitude pour moi.
l'ingratitude de l'humain. Oui. Ok. Souvent, nous connaissons le chemin des gens. Lorsque nous avons vraiment besoin de eux après l'aide, on disparaît. Voilà. Certaines personnes, même n'ont même pas le temps de dire merci. Hein. Tant que c'est bon, la vie continue. Et puis voilà. Voilà. On espère pour eux qu'ils ne rencontrent plus jamais le malheur en chemin. Justement, Blanche. Mais si c'est seulement tu ne dis pas merci et. Ça va. Si tu ne dis pas juste merci, ça va. Mais tu ne dis pas. On sait que là, tu es ingrat. Et après, tu torpilles encore la personne et tu fais encore du mal à la personne. C'est, ça, c'est vraiment le summum de la sorcellerie. Justement. Donc, c'est ce que dit l'image pour moi. Et Armata, toi, tu peux élever un lionceau qui devient lion et qui te dévore. Non, quand le lionceau est bien dressé, je suis sûr que c'est. Pas te dévorer. Donc ça dépend de comment la personne a dressé le lion. Parce qu'il y en a tant aussi, bon, je peux dire, les dresseurs qui dressent des animaux et autres là, des animaux sauvages, je peux dire. Mais ils grandissent et autres là, mais ils restent dans leur cage et autres. Mais si le lion aujourd'hui commence pas à dévorer celui qui lui donne à manger et autres, c'est parce que peut-être il y a un truc qui ne va pas là-bas. Voilà. Il y a un truc que moi je ne vais pas tout de suite accuser le lion, soit le maître. Bah, le problème est que si c'est que le patron prenait bien soin, je suis sûr certain que le lion va le reconnaître. Ok, voilà, ça s'explique. Ouais, je dirais. Donc si on revient à la vie, c'est-à-dire que quand tu prends bien soin de quelqu'un, tu es sûr que cette personne ne te fera pas du mal à la vie. Comment dire, après À la vie, disons. Bon, je ne peux pas dire. Que ça serait 100% parce que l'homme peut changer à tout moment. Tu parles de l'homme. Là on parle d'un animal, mais pas d'un lion. Là c'est différent. Ok, ça s'applique, mais on a essayé de transposer ça dans la vie courante pour pouvoir expliquer tout ce qui se passe entre nous les humains. Mais cela s'explique aussi par rapport à tout ce que pense Muriel a dit, il y a l'ingratitude. Mais si on s'arrête à là, c'est mieux, mais chercher aussi à l'humilier peut-être ton prochain, c'est ce qui est difficile et c'est ce qui est méchant également. Merci beaucoup mes frères, je ne vous donne pas la parole parce que je n'ai plus pas le temps, mais vous avez compris que dans la vie il faut faire du bien, mais au-delà il faut être aussi prudent. Voilà, justement, la prudence, justement, sur l'image. Merci beaucoup. Transition dans cette émission qui va nous donner aussi la possibilité de découvrir les prestations artistiques, mais compile du clip d'un artiste qui est en plateau avec nous. Je préfère tel le nom, mais vous allez découvrir une image et on se retrouve juste après. Président Kassim Premier. El Mokador, Armaton DJ. Que j'adresse à la nation africaine. Il n'y a que le travail bien fait qui paye. Le jour apparaît. Gardez toujours espoir. Dieu seul est fort. Le jour apparaît. Des lois de métier général ont abattu. Le Seigneur se met au mer à mon jour. Choco choco voilà. Oh, cette année-là, année de bonheur pour tout le monde. Cette année-là sera une année de bonheur pour tout le monde. Oh, que tu sois mécanicien, yéménisien ou papero, c'est le moment de tes récitos. Yeah. Choco, choco, voilà. La rangerie des continentales, la pure musique, la belle tout le monde. Ça, c'est la danse, des barres, avec les plans pleins. Goudou, c'est dans les biens donnés. Inspecteur Dongo, qui est donné tout puissant. La belle tout le monde est blindé.
Voici le nouveau concept. Allez, va, Voilà, auteur, compositeur, interprète, chorégraphe et musicien, genre de musique afro-congo, afro-pop et ambiance facile. Voilà, c'est donc le genre musical de notre ami qui est en plateau avec nous. Il s'agit bien sûr de Armatan TH, mais anciennement Armatan DJ. Armatan TH, on a laissé DJ nous prendre TH, dis-nous tout. C'est pas le DJ que je voulais faire. Je ressens pas cette envie de faire la musique dès mon bas âge. Donc c'est après que j'ai opté pour le DJ. Donc voilà, si aujourd'hui j'ai enlevé le DJ, c'est sans compter le DJ et autres là. Donc c'est ce qui a fait que j'ai enlevé le DJ. Voilà. Donc maintenant c'est Armatan TH. Maintenant le TH ça signifie quoi, ça dit quoi? TT Héros. Voilà. Armatan TT Héros. Voilà. Ok, donc si ça s'explique, tu étais zéro et tu veux devenir héros. Voilà. C'est ça, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Mais entre temps aussi, il y a trop de silence observé de votre part. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que c'était le manque de moyens? Et dis-nous tout. Et nous connaissons tous la vie des artistes, c'est toujours le manque de financement. Il y a aussi, comment on appelle-t-on, les concurrences de gauche à droite et autres là. Concurrence, quel type de concurrence? Bon, dans le domaine, nous connaissons en tant qu'artistes. Voilà, donc il y a les coups bas, j'ai eu des coups bas et autres, mais Dieu merci, aujourd'hui je suis sur pied. Donc l'essentiel est que le meilleur vient. Voilà. Bien. Ok. Et je vous le montrerai bientôt. Et le silence observé aussi t'a donné cette possibilité aussi de revenir avec une nouvelle tendance. J'ai eu le temps d'écouter, disons, ce morceau qui nous parle de l'amour, on parle de love. Quoi, ouais. Déjà ouais. Oui. Le titre de la chanson, c'est quoi déjà? Sentiment de love. Voilà, Sentiment de love. Voilà. Une chanson aussi qui nous transporte dans d'autres pays, dans d'autres sujets comme en Afrique centrale, plus précisément chez les Congolais. Ouais, justement. Et une chanson qu'on a aimée. Est-ce que cette chanson te ramène sur scène pour une fois de bon ou tu es encore venu pour nous faire un clair de réponse? Non. Celui-là, je viens de me dire que celui-là pour faire carrière. Pas comme ce que j'avais fait avant. Oui, mais qu'est-ce qui donne cette confiance de pouvoir discuter? Là, je suis arrivé avec un album que j'ai préparé durant tant d'années d'absence. De combien de titres déjà? Presque 14. 14 wow. Titres. Ouais. Ça compte vraiment les années. Et quelles sont les sonorités qu'on peut retrouver sur cet album? Oui, un peu de tout. Oui, un peu de tout. Comme je fais la traduit aussi. Oui. Que vous n'avez pas cité, je fais la variété, je fais la rumba, je fais du coupé décalé, je fais l'afro-pop, je fais un peu de tout, je suis pour Nirvana en fait, ouais, je fais tout. Ok, merci beaucoup pour le moment, on va observer une pause par rapport à vous, on revient du côté du plateau off. Ramzino, tu prends le micro et tu t'apprêtes également pour ta prestation. Entre temps, tu m'as écrit, c'est bien que tu as Sokodé, tu as quitté Sokodé ce jour-là. Pour arriver à Lomé, pour disons passer dans cette émission, on est là. Mais dis-nous quels sont tes sentiments par rapport à tout ce que tu as vu dans ce studio. Ouais, je commence. Faut commencer. Je vous salue premièrement. Ouais. Et juste pour vous saluer aussi pour le soutien. Et chaque temps je suis l'émission, je vois comment ça se passe. Et je me suis dit que moi aussi je dois passer par ici juste pour me faire
se faire connaître. Correct. Faire ta promotion, et, disons. Oui, ma promotion. Donc, voilà. C'est de ça. Voilà. Et si tu as un message à passer à l'endroit de ceux qui sont en train de suivre depuis ce codé, parce qu'ils sont là en train de nous suivre sur l'Imax TV et la page Facebook. Ouais, c'est juste pour les saluer. Salut tout le monde. Je peux appeler non que parce qu'ils sont pleins là. Donc c'est juste pour les saluer. Oui. Voilà, il y a de tous ceux qui te voient déjà et qui t'appellent. Il ne faut pas appeler Ramzino parce qu'il est en direct dans l'émission. Oui. Et tout à l'heure, il va vous livrer une prestation époustouflante. Et je vais te changer le micro. Tu donnes le micro là à Okay, à Mel. Okay. Et tu prends ce micro et tu te mets debout ici et pour la prestation. Voilà, juste à côté ici. Et Chef Quentin, comme vous voulez, Ramzino, c'est l'artiste et on découvre ses morceaux. Ramzino en featuring Pic Melo. J'ai passé un solo pour chanter la mélo. Si j'ai compté les billets juste pour t'habiller. C'est qu'on est lié, lié. Donc faut pas ruiner, ruiner. Pour toi j'ai fait toujours des sons. Des sons pour servir de leçon. Je suis la maison des poissons. Et c'est comme chanter courageux. Baby I know we more. More than we know. Baby I know we more. More than we know. Je vais jamais tout foncer, je vais jamais tout, je vais jamais le faire. Je vais jamais tout foncer, je vais jamais tout, je vais jamais le faire. Parle de mon mobo, y'en a mes baby, oh. Parle de mon madala, y'en a mes baby, oh. Allez, quand tu dors, moi je dors pas, je dors pas. Quand tu pleures, moi si je pleure. Comment peux-tu penser que je trompe moi? Je peux pas te faire ça, ma baby. Je veux que tu sois bien, ma lady. Et ce soir, pour toi, j'ai pris. Et sans te mentir, rien ne mentir. Ça veut que je veux bâtir. Bébé, que oui, que oui, t'étais sans le faire si gars. Baby, à nous, oui, mora. Mordo, mais oui, n'yora. Baby, à nous, oui, mora. Mordo, mais oui, n'yora. Je vais jamais tout foncer, je vais jamais tout, je vais jamais le faire. Je vais jamais tout foncer, je vais jamais tout, je vais jamais le faire. Parle de mon mobo, y'en a mes baby. Parle de mon madala, y'en a mes baby. Wow. Il y a le second morceau, quand t'es comme vous voulez, voilà. Road beats, the best feeling. Quand j'ai décidé d'être heureux, toutes les bonnes choses me souviennent. Quand j'ai décidé d'être heureux, toutes les bonnes choses me sourient. Moi et ma femme, on se comprend pas. Moi et ma femme, Dangliotti, Biga Amali, Dando. Allo baby, nolé. Sur le caso d'Anna, Madana et Madame Bisou m'en vini. Madana et Madame Bisou m'en dikiri. Sur le caso d'Anna, mais quand je rentre à la maison, avec un sourire parfumé, tout le monde est content. La maison est en faille. Souris à la vie te sourira. Souris à la vie te sourira. De mon adama dede, n'a pas ouéli la dede. De mon adama dede, n'a pas ouéli la dede. Moi et mon patron, on se comprend pas. Moi et mon patron, l'angliote. Mais le sourire de mon visage envahit mon bureau. Même les secrétaires, les clients, j'ai jamais voir, j'ai jamais parlé. Passer ma façon de sourire, passer ma façon de parler. Changer de tempérament, changer de climat. Tout le monde veut être avec moi. Mon maître corps, souris à la vie. Changer tout. Pour nous vider, souris à la vie. Changer tout. Souris à la vie. La vie te sourira. Souris à la vie. La vie te sourira. De mon adama dede, n'a pas ouéli la dede. De mon adama dede, n'a pas ouéli la dede.
aider. Quand je vais à l'église ou à la mosquée, avec le sourire de mon visage, le pasteur ou l'imam. Prends mon exemple en Dieu d'amour, prends mon exemple en Dieu d'amour. La cause on s'y tire. Y'a la cause ok, j'ai tiré, 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 boutonnant, tiré, tiré, boutonnant. Y'a même beaucoup sous un lumière, sous un saint. Mon maître corps, souris à la vie, changé tout. Pour nous vider, souris à la vie, changé tout. Souris à la vie te sourira. Souris à la vie te sourira. Merci beaucoup à toi Ramzino. Voilà, tu peux garder le micro à côté là-bas. Et tu prends le petit pour deux questions rapidement. Et si tu vas passer un message à tous ceux qui sont en train de te suivre, qu'est-ce que tu vas dire? Et tu me donnes le contact sur lequel on peut te toucher pour pouvoir t'accompagner, disons. Et c'est juste pour saluer tout le monde. Et tout le monde. Et saluer toutes personnes qui nous soutiennent, précisément à vous. On ne peut pas appeler le nom, ils sont pleins. Donc, c'est juste la salutation. C'est bon. Voilà, et le contact sur lequel on peut te toucher. Je suis disponible sur 91 119 55. Le 91 119 55. Donc vous pouvez toucher ce numéro pour pouvoir accompagner notre jeune artiste. Il a chanté, c'est joli à écouter, c'est bon à promouvoir. On dit sourire à la vie et la vie te sourira. Ils seront de sourire à la vie et celle-ci aussi nous sourira. Merci beaucoup pour la présentation. Et tu passes le micro à Ahmed Kass. Je sais quoi il veut casser ce soir, mais moi il posait la question. Ahmed, je me suis rappelé quelque chose. Oui, comme quoi, dis-moi tout. Et mon ami Nico, il m'a invité à son anniversaire, ils sont petits un peu là. Il fait savoir que non, il ne veut pas me voir dans son anniversaire, histoire de ne pas casser tout ce qu'il a là-bas. Voilà. Je ne pense pas que tu vas casser tout ce qu'on a ici en studio. Inch'Allah. Tu vas casser ça? Non, Inch'Allah. Ok, si c'est le cas, tu ne passes pas. Eh bien, mais dis-nous, le début de carrière, ça a été comment, rapidement, pour que ceux qui sont en train d'écouter. Très, très difficile. Difficile, même jusqu'alors, difficile. Oui. Pourquoi? Parce que il faut beaucoup de moyens. Il faut beaucoup de moyens, et puis on n'a pas de moyens. Et toujours, j'ai confié de à tous ceux qui ont volonté de soutenir les artistes, pas moi seul, mais les artistes dans la grande, de le faire, parce que c'est très difficile. Merci. Ouais, on sait bien que c'est le message qu'on passe tout le temps, mais si vous ne menez pas des pas pour pouvoir vous accompagner, vous pensez que l'accompagnement viendra du ciel comme ça, ou comment, quelles sont les démarches que vous menez? Effectivement, on n'est pas resté les bras croisés, on mène des... En fait, on s'approche, mais pour le moment, ça ne donne pas. Est-ce que vous êtes aussi déclaré en tant qu'artiste de la chanson au Togo? Oui, j'ai même ma carte de vidéo. Voilà. Ok. S'il plaît. Avec ça, je pense que tôt ou tard, ça va pleuvoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et avant que tu nous donnes le contact, mais on te laisse nous livrer tes prestations et que tu prends le grand micro pour ça. Okay. Et vous avez la scène. Je rappelle toujours une chanson qui est dans la... Ça dit l'espoir. Oui, quelle chanson? Tout est devenu basta, basta. La vie est toujours compliquée là. Allez, quand on est boulot, j'ai déposé mon dossier là-bas. Je continue toujours la bataille. Oh, yeah, yeah. Ma prière, tu as les détails. Oh, Seigneur, améliore ton. La suite, c'est ici. Merci. Ok, mais maintenant, c'est à vous. Je trouve belle. Alors, donc, tu es en train d'admirer aussi mes consoeurs. Vous dites la vérité. Ok, donc tu fais face aussi à la caméra. Merci beaucoup. Chef Café, comme vous voulez. Africa beauty, Africa beauté, Africa beauty, Africa beauté. C'est la clé de la beauté, partout elles sont mignonnes, elles nous prennent par la mer, yo, nous montrent les bons chemins, les bons chemins, les bons chemins.
aïe aïe aïe. Assumer les tâches ménagères, être comme une rose qui ne fane jamais, 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 jamais. Votre beauté dépasse la gloire de la nature, de la nature. Femme africaine, est-ce qu'on belle, est-ce qu'on belle? 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 Est-ce qu'on belle? Africa beauty, Africa beauté, Amie, Amie, Africa beauty, Africa beauté. Habillement, ce clip, tellement mignon la coiffure. Ma maman, elle vient de là, ma grand-maman, elle vient de là. Oluwa, 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 Oluwa. Femme africaine, femme et noire. Oh, femme africaine, femme et noire. Voilà. Le second morceau. King Nas Road Beats, the best in Philly. I'm zero. I fuck you guys up. Quand j'ai décidé d'être heureux, tous les beaux jours me souviennent. Quand j'ai décidé d'être heureux, tous les beaux jours. Ahmed Gas, je tombe mon détail. On ne fait pas du bonheur, je crois pas à cette expression. Tout le monde à la recherche, j'ai l'argent tous les matins, tous les midis, même les soirées. Avec l'argent, on se sent bien dans la famille, pas de soucis. Avec l'argent, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai ma fortune. Mbena Choba be money, Mbena Ghana be money, Mbena Nanja be money, Mbena Ero be money, Mbena Togo be money, Mbena Ghana be money. Mbena nanja be money, Mbena hero be money. Tuma naka krrrr ya, ya, krrrr ya. Tuma naka krrrr ya, ya, krrrr ya. Mio mi togavo, ila loze kakavo abudavo. Yeah, I'm serious, serious, serious. Baby come, 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 there's a plenty money. Yeah, dele come na manye ma blow ya, you plenty money. Yeah, yeah, yeah. Plenty money, yeah. Que le come na manye ma bro, yeah, plenty money, yeah. Ola po Siri, ola po Sefa, ola po Nera, ola po Dola. Que le come na manye ma bro, yeah, plenty money. Mbena Choba be money, Mbena Ghana be money, Mbena Nanja be money, Mbena Ero be money. Mbena Choba be money, Mbena Ghana be money, Mbena Nanja be money, Mbena Ero be money. Ega Pade ma povo, yeah, ega, yeah, no kwe pade ma povo, yeah. Money na be mudo power, power, power. Money na be mudo nusa, yeah, yeah, yeah. Money na be mudo power, power, power. Money na be mudo nusa, yeah, yeah, yeah. Fumi lo wo, fumi lo wo. Fumilo wo, fumilo wo, fumilo wo, fumilo wo, fumilo wo, fumilo wo. Ma ku Ferrari ku tagon, tagon. Fini ti ku de logo, kiri, kiri. Family nyore, ona nyore. Sheriko ko nyore, family nyore. Ya 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 ya. Family nyore, ona nyore. Sheriko ko nyore. Famiglia ore, ya 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 ya. Mbena Choba be money, Mbena Ghana be money, Mbena Nanja be money, Mbena Ero be money. Mbena Choba be money, Mbena Ghana be money, Mbena Nanja be money, Mbena Ero be money. A showcase, président du Nord. Quel tangote, président de 208. Merci beaucoup, Ahmed K.
podcast. Voilà, tu peux regagner ta place, voilà, et tu prends le micro, le second, et, voilà, pour que tu me donnes le contact sur lequel on peut te toucher, parce que tu as demandé de l'aide. Il y a des frères qui sont en train de nous écouter, des aînés, des parents qui ont aimé tout ce que tu as présenté comme prestation tout à l'heure, et ils pensent aussi te toucher, ils ne vont pas m'appeler forcément, c'est toi à m'avoir contacté ou ton manager. Le numéro c'est quoi? Ok, pour le moment, on peut contacter tous les deux. Pardon? Voilà, voilà. Et quels sont ces numéros? Oui. Quand il s'agit de l'argent, c'est ton numéro d'abord. 91. 91 11 11 8 41 32 41 32. Oui. Et pour le manager? 99 99 36 36 98 98 et 27 27. Voilà, voilà. Vous m'excusez, il y a un chat aussi qui me dérange dans ma gorge. Je ne sais pas si c'est comme nous sommes en période de mousson. Il y a le rhume qui passe par là également. Et mes excuses, mesdames et messieurs. Voilà, on a compris, ou bien on a eu les deux numéros sur lesquels on peut vous toucher. Il s'agit du 91 11 41 32, ton numéro personnellement, et le 99 36 98 27 pour le manager. Donc, mesdames et messieurs, vous avez les deux numéros, vous pouvez toucher tomber ou sonner sur un de ces numéros pour pouvoir les services de notre ami Ahmed Kass, que ce soit dans vos mariages, que ce soit des manifestations culturelles, tout ce que vous voulez, où la musique s'invite. Essayez aussi de penser à votre jeune frère Ahmed Kass. Oui, le micro, rapproche le micro. Ok, j'ai jusqu'à 17 morceaux. 17 morceaux. Mais on vient ici, même je ne savais pas quoi choisir comme morceau. Voilà, et tu attends quoi pour sortir l'album? Toujours les moyens. Toujours les moyens. Au moins, j'ai 4 clips. Oui, bien clippé. Il semble qu'on a un clip aussi chez nous. Si, si. Pour la promotion et les autres. Oui. Qui attend quoi pour la terminer? Molo Molo. Oui. Bon, le premier clip, c'était Boucha. Et puis il y a aussi un clip récemment fait pour les étrangers du tout. Voilà, après tu vas voir le chef qui est en face, c'est notre chef. Okay. Après tu le vois, tu envoies les clips, il saura dans quelle mesure t'accompagner. Okay. La TVD est là pour ça. Merci beaucoup. Elle a toujours accompagné la culture togolaise, notamment la musique. Et tous ceux qui se font, disons, des grands, sont tous passés par ici. Et nous sommes fiers pour ça. Merci beaucoup. Merci. Merci également pour la prestation. Tu restes toujours avec nous. Madame, il faut rester comme ça, il ne faut même pas bouger. Hein? Reste comme ça, ne bouge pas. On va faire face maintenant à notre ami Armatan TH. Ouais, je suis là. Armatan Théo Héro. Pardon, Pépé Héro. C'est Pépé Héro. Armatan Pépé Héro. Voilà. Ouais. Et on regarde. Une question. Oui, quelle question, dis-moi. Pourquoi avoir changé Armatan? Voilà que nous sommes, Pourquoi si j'ai c'est une question de félicitations. Nous connaissons très bien l'Armatan. Mmh. L'Armatan plein qui saute du nord vers le sud. Très sec. Voilà. J'ai pris ce nom vu, je sais pas, les qualités autres de l'Armatan. Mmh. Voilà. Est-ce que tu trouves que l'Armatan aussi a des qualités du moment où à la période là on souffre trop? Bon, c'est pas avec les lèvres fendues, c'est vice versa, ça dérange certaines, ça dérange d'autres. Voilà. Ok, ok. Mais dis-nous, on parle de sentiment de love, n'est-ce pas? Ouais. Et ce projet qui te relance au devant de la scène musicale, et quelles sont les motivations, ce qui te lance aussi à nous parler de sentiment, de parler de l'amour? Merci pour cette question. D'abord, je dirais, dans la vie, il faut d'abord l'amour. L'amour est la base de toute chose. Tu es animateur, tu es musicien, tu es footballeur. Si tu n'as pas l'amour de la chose, ça ne va nulle part. Maintenant, rentrons dans nos maisons, pour ne pas dire dans nos relations amoureuses. Quand il n'y a pas le vrai amour, ça ne donne rien, absolument. Donc aujourd'hui, je chante sentiment d'amour pour... exhorter, pour ne pas dire, dire à ceux-là qui veulent s'aventurer dans ce domaine qui est le domaine d'amour, d'être vraiment sûr, voilà, sûr même d'abord, voilà. Et comme ça, ça va s'extérioriser à leur partenaire, et voilà, et ça sera réciproque. Voilà. Donc voilà. Mais tout à l'heure, quand je te laisse aussi nous livrer cette prestation avec ce morceau-là, j'aime écouter ta voix, et avec la complicité de la réalisation, tu me donnes le micro, et vous pouvez passer par ici, viens. Viens, je prends le micro là, voilà, devant également.
Quentin, comme tu veux. Il y a le morceau, le second morceau, Sentiment, Love, de notre frère Amatan. On découvre ça, on revient. Bien sûr, dans le dossier Amatan. Voilà, en attendant que le morceau n'arrive, tu nous parles d'amour, tu nous parles de sentiments. Et à t'entendre aussi parler sur l'album prochain qui va arriver bientôt. Et tu fais beaucoup de variétés, tu nous parles de la tradition, tu nous parles de la rumba, tu nous parles aussi de Kulkati. Pourquoi avoir choisi aussi ces multitudes de tendances pour en faire un album? J'ai été danseur comme tu prends ce micro. Ok. Comme tu l'as reçu au départ, c'est la danse. Être danseur, elle va être capable de danser sur différentes sortes de rythmes et de musique. C'est pas trop ça. Donc j'ai eu ce temps où j'ai travaillé pour les rythmes. Donc ce qui facilite aujourd'hui ma manière de chanter sur n'importe quel vice. Voilà. Et de faire n'importe quel genre de musique. Ok, on comprend. Mais derrière vous, on voit un homme connu de la culture togolaise qui vous accompagne de gauche à droite. Je voulais parler de Béni Ange Benito. Ouais. Et c'est lui qui te donne aussi ses motivations pour pouvoir te lancer dans toutes les tendances ou quoi. Et dis-nous, quelles sont les relations qui vous lient? Bon, aujourd'hui, nous sommes dans une relation professionnelle. Il est mon manager. Il m'accompagne. Non, il faut bien préciser les choses. Producteur ou manager? Parce que donne-moi leur place. C'est mon manager. Il est produit de... Il n'y a pas encore de producteur, je peux dire, mais en tant que voilà. Et ceux qui aiment ce qu'on fait et qui nous apportent leur soutien. Okay. Donc si tu ne veux pas dire qui sont nos producteurs, Ok, on découvre le son et on revient. Prends le second micro. Quand comme vous voulez. Dans le courant d'eau de l'amour, circule la paix et le respect mutuel. Yeah, et H. Maladie d'amour, problème du cœur qui attaque le cerveau. Un sentiment de l'enfer qui bouleverse ma tête. Besoin de plus, rien de moins pour résoudre ce problème. Quand l'amour est incomplet, quand l'amour est incomplet. Maladie d'amour, problème du cœur qui attaque le cerveau. Un sentiment de l'enfer qui bouleverse ma tête. Besoin de plus, rien de moins pour résoudre ce problème. Quand l'amour est incomplet. Quand l'amour est incomplet. Oh non non. Les cassiers venaient. Tombe le dis-moi grenade. Non j'ai fait des bateaux. Oh non non. Les cassiers venaient. Tombe le dis-moi grenade. Non j'ai fait des bateaux. Non non non. Les cassiers venaient. Tombe le dis-moi grenade. Non j'ai fait des bateaux. L'amour n'a pas du prix. Ouais. Mais je ne suis pas sûr que les filles me diront le contraire. Parce que si on vous pose des questions souvent, pourquoi tu l'aimes, je ne sais pas. Hein. Il n'y a que tu. On peut aimer par intérêt. Non, ça existe. Ouais. Il y a amour par intérêt. Il y a aussi amour propre. De nos jours, c'est l'amour par intérêt.
Et je pense que mon chef Lagoumé dit là le contraire. Il faut pas gérer. Oui, chef. Il faut pas gérer. Chef, c'est pas l'intérêt souvent. On voit les petites qui courent derrière les yeux là. C'est pas l'intérêt. On voit les jeunes garçons qui courent derrière les mamies là. C'est pas l'intérêt. Oui, Arbata. Là, tu as spécifié le truc. On a compris. On comprend. On est presque arrivé à la fin de l'émission. Il nous reste encore deux minutes pour rendre l'antenne tout à l'heure. Et je vais te demander à quand la sortie de l'album et comment vous préparez pour ça. Je ne vais pas donner la date de la sortie de l'album, mais je vous promets que bientôt je ferai le clip de la chanson que je viens de faire et ça ne va pas tarder. Ça va tarder, mais... Soyez toujours à l'écoute pour ne pas dire, soyez prêts pour voir ce qui va se passer. Voilà. C'est le Inche d'Afrique, le même Amata, le Souprato, le Mogador. Voilà. Et comme tout le monde, dis-nous le contact sur lequel on peut vous toucher pour des accompagnements. Là, c'est. Bon, ok, je donne le 90-95-0370. Et le second. Bon, vous appelez. Ils n'ont qu'à appeler sur le numéro et puis voilà. Et puis le tour est joué. Le tour est joué. Et des personnes à saluer rapidement. Je tiens d'abord à saluer tous mes fanatiques de Lomé à CKC. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce qu'ils font dès le début de ma carrière. Ils continuent toujours de me soutenir, de me pousser à de montrer le meilleur de moi-même. Donc je leur dis merci infiniment. Je leur promets tant de choses. Voilà. Et que vous êtes revenu pour une fois de bon. Ouais. Pour ne plus repartir. Ouais. C'est vrai? Parce que je suis la musique, ça y est en moi, donc je ne peux plus repartir. Ok, merci beaucoup d'être en plateau avec nous. La fille, je vous reviens, mais permettez que je salue aussi nos amis qui sont en plateau de ce côté. Qui a le micro déjà? Voilà, des personnes ont dit merci parce qu'on est arrivé à la fin de l'émission, rapidement. Salut tout le monde. En commençant. Attaquer tombé. Attaquer tombé. Voilà, Mohamed, le manager. Le grand manager, sans oublier Asler Connect. Ok, merci beaucoup. Sans oublier aussi Rafté Pod, Rafté Production, merci pour le soutien. Salut tous les radios de la place et sans oublier les promoteurs que tu as. Voilà, tous les médias de la place, sans oublier. Merci beaucoup. Okay. Et bien des choses à la population de Sokodé. Je vous rappelle qu'il a quitté Sokodé directement pour cette émission. On est là. Merci beaucoup pour le déplacement. Et nous sommes là. Les portes de la télévision deuxième sont toujours ouvertes. Vous pouvez venir comme vous voulez, quand vous voulez. Ahmed Kass. Merci beaucoup. Je commence par tous les personnages de la TV2 ici. Surtout, il faut saluer le chef. Dis merci au chef Lago. Dis merci beaucoup au chef Lago. Mes respects, chef Lago. Voilà. Et il faut dire merci, chef Kanté. C'est lui qui est derrière. Merci, chef Kanté. Voilà. C'est grâce à lui, nous avons tout. Voilà, merci beaucoup. Et okay. Sans oublier Vito et toi également. Oui. Et voilà. Toi, là, tu attaques trop mes filles. Je salue tous les DJ de la GDCL. Je salue tous les professeurs. Les professeurs de pièces qui me connaissent. Les professeurs de dessin qui me connaissent partout. Et je salue tous les habitants du village d'Issadi. Et je salue également tous les fanatiques. Ok, c'est là-bas, tu vois, tu fais ton show et tu reviens. Merci beaucoup. Tu passes le micro à notre manager. Attaquer tomber. On va pas tomber ici. Mais personne ne salue rapidement. Voilà, y'a. Ok. Oui, je salue la TV2 et tous ceux qui travaillent à la TV2. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour les artistes. Oui. C'est ici leur commenter. Si ils vont témoigner, ils vont témoigner. Oui. Et nous-mêmes, on a vu. Voilà. Et on fait appel aux sponsors pour accompagner nos artistes. Et nos émissions également aussi, c'est, voilà, oui. Ok, rapidement. Oui, merci beaucoup. Et la fois, j'ai lu déjà. Oui, j'ai lu déjà. Il ne mange pas caillou. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous les filles. Je te passe le micro, la prends. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Des personnes à saluer rapidement. Je salue toute ma famille. Tu n'as pas oublié lui? Non, ça va. Tonton, tu n'as pas oublié.
cher tonton, okay. Si tu es là, oui. Je te salue. Ok, merci beaucoup. Merci d'être là. Je te salue. Ok, merci beaucoup. Et tu passes le micro également à Blanche, qui va saluer des personnes. Je sais bien qu'elle en a beaucoup, mais deux, trois personnes, rapidement. Moi, je dis merci à tous les téléspectateurs. On se retrouve le samedi prochain pour notre numéro 2. On est là. Merci de nous avoir suivis. Voilà, merci beaucoup d'être en plateau avec nous. Merci beaucoup pour les tâches menées inlassablement. Et on vous fait toujours confiance. Continuez par nous faire confiance également. Vous qui êtes en train de nous suivre, la chaîne de proximité est toujours au cœur de vos désirs. Mais c'est ceci de vous plaire. Chaque samedi, quand il sort 20h30, nous prenons de la place ici pour vous faire voyager avec des prestations artistiques comme c'est le cas ce soir. Armatan TH était de la partie. On dit merci à Ramzino. On dit merci également à Hamed Kass. On va dire merci à Tapé Tombé, le manager. On dit merci à l'aîné, le confrère Albini, Ange Benito, qui a accompagné son artiste Armatan DJ. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes tellement fiers de vous savoir nombreux chaque samedi, de nous faire confiance. Je sais bien qu'on va se retrouver chaque samedi. D'ici là, portez-vous bien. Et Baba, c'était donc, on est là. Pour le nom de Dieu, les Madia Filimato, dans le courant d'eau de l'amour.